le prince Harry et Meghan Markle excellent dans la rétention d'informations. À quelques jours du baptême d'Archie, on apprenait qu'il avait décidé de ne pas communiquer le nom des parrains et marraines de leur fils. Il ne fallait guère plus pour que les tabloïds britanniques et les fans des Sussex guettent la moindre information, même tirée par les cheveux, sur les réseaux sociaux des proches du couple. Mais cette fois-ci, si est-il le très sérieux Times qui s'y met. Selon eux, si est-il Charlie Van Strobanzi qui a été choisi pour être le parrain du baby Archie. Même s'il a une réputation quelque peu sulfureuse, il reste l'une des meilleures amies du prince Harry, qu'il avait d'ailleurs choisi comme témoin lors de son mariage en 2018. Son frère, Thomas Van Strobanzi, est même le parrain de la princesse Charlotte. Mais rien n'est encore sûr. Meghan Markle et le prince Harry se sont même amusés à semer encore plus le doute au moment de dévoiler les photos officielles du baptême, qui s'est déroulé avec leur famille et les parrains et marraines d'Archie. On ne saura donc pas plus. Quant aux possibles marraines d'Archie, encore une fois, les paris vont bon train. Certains sont certains que le titre revient à Jessica Mulroney. Dans une publication supprimée depuis, la BFF de Meghan Markle écrivait « Je ne serai pas de retour chez ma famille pour un certain temps. Allez si est-y bon, j'arrête la session Instagram de la maman à qui ses enfants lui manquent. » Pour les fans, aucun doute possible, la styliste canadienne est loin de sa famille car elle se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de Toronto. Soit en Grande-Bretagne, pour le baptême d'Archie. À moins que ce soit la nounou du prince Harry. Bref, le feuilleton n'est pas près de se conclure.